En septembre 2020, la ville de Bastia lance un appel à projet, une candidature pour une résidence d'écriture. Le projet retenu aura la chance d'être monté, représenté sur le théâtre de Bastia. Mais avant cela, nous organisons aussi des ateliers d'écriture pour donner un coup de pouce à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Les ateliers proposés sont composés de 5 modules qui se dérouleront de janvier à juin et chaque fois sur un week-end. Dès le premier, on vous demandera de produire un écrit et à partir de cet écrit, il y aura une sélection qui sera opérée pour constituer des ateliers. Et ensuite, nous aborderons toutes les questions inhérentes au théâtre, l'écriture en plateau, la mise en scène, avec des intervenants tous formidables comme Laure Limongi, Marc Biancaré, Alexandre Pettini et Charlotte Haric de Cosanova. Il est important aujourd'hui d'encourager la nouvelle création théâtrale et l'écriture dramatique en Corse. Particulièrement. La société change, le monde change, la Corse aussi, et le théâtre prend la température. Moi, je suis comédienne de formation et je suis assez vite passée à la mise en scène. Et aujourd'hui, j'assume le fait d'être autrice. Je serai avec Marie sur un week-end au mois de mai et nous travaillerons sur l'écriture au plateau. Parce que l'écriture théâtrale est particulière dans le sens qu'elle ne doit pas rester sur une feuille, elle doit aller au plateau. Et c'est ce passage-là que nous allons explorer. Donc si vous rêvez d'écrire, si vous écrivez seul dans votre chambre, en Corse ou en français, rejoignez-nous. N'attendez plus. Si vous avez plus de 16 ans, si vous n'avez jamais été publié, si vous êtes libre les 18 et 19 janvier pour le premier module, vous avez jusqu'au 17 janvier minuit pour vous inscrire sur le site de la ville, bastia.corsica. Et là, vous aurez tous les renseignements. N'hésitez pas, c'est gratuit. Moi, je pense que si j'étais à votre place, j'irais sans hésiter. Ils ont beaucoup de chance, hein, quand même. Ouais. On aimerait bien être à leur place, quand même. Ouais. Puis bon, c'est une opportunité magnifique. L'occasion de faire des belles rencontres. Ouais. Et peut-être voilà. Avoir une pépite. Ouais. On espère. Pépites. On espère. Ouais. Ouais. Faut foncer, là. Ouais. Faut vaincre ses peurs faut et pas hésiter, y aller. Venez. Voilà. Nous, on a on vous attend.